Hey. Bonjour. Hey, salut. On vous présente enfin notre petite FAQ. On l'a fait que maintenant on en avait plein le cul. On avait besoin de vacances et de se reposer. Mais nous voilà maintenant avec d'autres idées. Quand avez-vous annoncé qu'il y aurait des saisons? On l'a pas annoncé, on l'a pas annoncé, on l'a pas annoncé. Caporal Margot, rapport, prénom, âge, profession ou études. Ange vanatif, bref, je vais m'arrêter là. Il s'appelle Valentin, il a 24 ans et demi et il est animateur périscolaire. Ange vanatif, il déteste les pâtes ainsi que les nouilles et force est de constater que malgré son âge, il ne rentre toujours pas en boîte parce qu'il a une tête de bébé. Il s'appelle Ronan. À 21 ans, il a raté son BTS à cause de la chaîne YouTube. Natif du pain en bouche, Ronan déteste la vaisselle, bégaye à toute berzingue et ne rentre pas non plus en boîte. Mais lui, c'est parce qu'il est trop bourré. Il s'appelle Pida. Âgé de seulement 24 ans, il est également animateur périscolaire. Originaire de Château-Gontier, il a du mal à dormir tout seul car il a peur des fantômes. Et il ne rentre pas non plus en boîte car il est constamment en compagnie d'un bébé et d'un bourré. Comment les colocs ont eu l'idée géniale de créer ce groupe? On s'est rencontrés dans une troupe. On a tout de suite accroché pour former un groupe. On avait des idées de projets. Puis on a tenté les sacrés. Les colocs, les colocs, les colocs, les colocs. Un univers différent nous attire individuellement. Le théâtre et le chant, le ciné et la danse. Un univers loufoque. Comment est venue l'idée de la présentation d'Angers? On a reçu un gros chèque de la mairie d'Angers. Oh non non non, c'est un fake, on s'est même bien ruiné. En contactant le point jeunesse, on nous a proposé de vendre Angers avec tendresse. Pour lui me fait le succès, un texte caricatural sur la belle ville d'Angers. Une chanson commerciale, ça fait toujours marrer. Une aide communale pour faire connaître notre projet. Le rire c'est l'idéal pour passer une bonne journée. Est-ce que vous avez établi un planning de ménage? On en avait fait deux, on leur a dit adieu, la partie donc dégueu. Pensiez-vous que vous alliez devenir aussi célèbre? Depuis qu'on est connu, ça devient compliqué de marcher dans la rue sans se faire piétiner par nos abonnés. Les paparazzi qui passent leur temps à inventer nos vies. Même les radios, les télés, les journaux locaux s'arrachent pour nous avoir sur tout leur plateau. On vous demande à l'aide, SOS, aide. On s'en sortira pas, nous laissez pas comme ça. Avec la saison 2. On se remet au boulot, on revient la semaine pro, on revient la semaine pro. Avez-vous déjà des idées pour la saison 2? On reparlera notre petite vidéo par mois. Il y aura ceci, il y aura cela, je vous ai perdu, je vous explique ça, ça, ça. La première semaine du mois, ce sera le clip du mois. De la musique, de la chanson, des belles images, modèles de fion, fion, fion. La deuxième semaine du mois, la chanson des internautes. Une petite question, vous commenterez sur un sujet d'actualité. La troisième semaine du mois, ce sera le défi des colloques. Vous proposerez des trucs barrés, des défis à réaliser, c'est. La quatrième semaine du mois, on la garde pour travailler. Des petits sketchs, on va tester dans des petits bars, venez me juger, j'ai. Mais sans oublier qu'on a un travail à côté. Ça inspire à quoi de se dire on fait du beau boulot et le public sait nous le rendre. On tenait à vous remercier de nous avoir suivis toute l'année. Si on est
Merci de vous être abonné. La voix laquée est partagée. Continuez à commenter. On a besoin de vous pour progresser. Abonnez.